C'est gentil de m'avoir accompagnée à la gare. Oh, ben voyons, monsieur. Ah, si, si, si. Et puis ces fleurs, ces bonbons, ces journaux. Savez-vous que c'est la première fois que nous séparons depuis que c'est arrivé? Remarquez que 15 jours, ce n'est pas très long. Évidemment, 15 jours, ça n'est pas très long. Mais songez tout de même à ce que ça fait d'heures, ça. Puisque vous partez en voyage. Puisque nous nous quittons ce soir. Mon cœur fait son apprentissage. Je veux sourire avec courage. Voyez, j'ai posé vos bagages. Marche avant, côté du couloir. Et pour les grands signaux d'usage, j'ai préparé mon grand mouchoir. Dans un instant, le train démarre. Vous resterez seul sur le quai. Et je vous verrai de la gare. Me dire adieu là-bas avec votre bouquet. Promettez-moi d'être bien sage, de penser à moi tous les jours. Et revenez dans notre cage, où je guette votre retour. Voilà, je vous ai trouvé une bonne place dans un compartiment où il y a une grosse dame et un vieux curé avec une barbe blanche. Oh, je crois que je serais très bien. Et puis je vous ai acheté deux livres. Ah. Et voilà le premier, c'est La vie des saintes. Et l'autre, c'est L'imitation de la bienheureuse Ernestine. Ça vous plaît, ça? Beaucoup. Puisque vous partez en voyage, vous m'avez promis, ma chérie, de m'écrire 14 pages. Tous les matins ou davantage. Pour que je voie votre visage. Baissez la vitre, je vous prie. C'est affreux, je perds tout courage. Et moi je déteste Paris. Le contrôleur crie en voiture. Le cochon, il sait pourtant bien que je dois rester, mais je jure que s'il le crie encore une fois, moi je viens. J'ai mon amour pour seul bagage. Et tout le reste, je m'en fous. Puisque vous partez en voyage, mon chéri, je pars avec vous.